Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah Sissi qui a félicité les champions paralympiques égyptiens et qui ont brandi haut le nom de l'Égypte lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. Dans un message sur les réseaux sociaux, le président Sissi a déclaré que le succès réalisé par les athlètes a assuré que les Égyptiens puissent relever les grands défis et surmonter les difficultés majeures. Le président Sissi s'est dit fier de la ferme volonté et de la forte détermination des détenteurs des prix paralympiques. De son côté, la commission paralympique dirigée par Dr Hossam Eddine Mustafa a adressé un message de reconnaissance au président Sissi pour son soutien fort aux personnes ayant des besoins spécifiques. Elle a exprimé ses sincères remerciements pour le président Sissi qui tenait à présenter ses félicitations aux athlètes paralympiques qui ont réussi à décrocher 7 médailles lors des Jeux paralympiques de Paris. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni hier avec le Premier ministre Mustapha Madbouly et le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El-Khatib. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les axes de la stratégie visant à faire progresser le secteur de l'investissement et du commerce au cours de la période à venir dans le cadre de la vision d'Égypte 2030 élaborée dans le cadre du partenariat et du dialogue entre les diverses parties du processus d'investissement et de commerce en Égypte. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni avec le chef du gouvernement, Dr Mustapha Madbouly, et du ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, l'ingénieur Hassan El-Khatib, pour examiner les axes de la stratégie visant à faire progresser le secteur de l'investissement et du commerce au cours de la prochaine période. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi. Cela s'inscrit dans le cadre de la vision d'Égypte 2030, préparée pour réaliser des progrès tangibles au niveau des dossiers d'investissement et d'exportation et d'attirer de principaux acteurs d'investissement sur le plan mondial pour injecter leurs capitaux et investir en Égypte dans plusieurs secteurs et en particulier le secteur industriel, moteur de la croissance économique du pays. Cette stratégie vise également à renforcer la confiance des investisseurs dans l'économie nationale, à vue de la stabilité des politiques monétaires et financières réalisées et du renforcement du rôle du secteur privé dans l'activité économique, ce qui garantit un climat économique favorable et attrayant aux investissements et permet d'ouvrir de nouveaux débouchés d'exportation. Le président Sissi a enjoint de fournir les facilités nécessaires afin d'augmenter les taux d'investissement, d'encourager le secteur privé égyptien étranger en s'appuyant sur la croissance observée au cours de la période passée au niveau des taux d'investissement direct étranger. Le président a de même recommandé d'accorder davantage de licences d'or aux investisseurs dans les principaux secteurs prioritaires, notamment l'industrie, l'énergie verte, les transports, les technologies de l'information et de la communication, l'agriculture et les soins de santé. Le président Abdel Fattah Sissi a mis l'accent sur la profondeur des relations fraternelles et historiques égypto-saoudiennes, soulignant le rôle axial et fondamental que jouent l'Égypte et l'Arabie saoudite pour préserver la stabilité dans la région, en particulier à la lumière des géants défis qui nécessitent une intensification de la coopération entre le Caire et Riyad. Le président Sissi s'est exprimé lors de son entretien avec le ministre saoudien de l'Intérieur, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïef et le ministre d'État et membre du Conseil des ministres saoudiens, Dr Hassan Ben Saïd. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah Sissi a reçu hier l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïef Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre saoudien de l'Intérieur, et Dr Hassan Ben Saïd, ministre d'État et membre du Conseil des ministres saoudiens, en présence du général Mahmoud Taoufiq, ministre de l'Intérieur, et de l'ambassadeur Salah Ben Aïd Al-Husseini, ambassadeur d'Arabie saoudite au Caire. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que le ministre saoudien de l'Intérieur a transmis au président Sissi les salutations du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, et de l'émir Mohammed Ben Salman, prince héritier et premier ministre d'Arabie saoudite. Le président Sissi a pour sa part exprimé sa gratitude à ses deux frères, le roi d'Arabie saoudite et le prince héritier, soulignant la profondeur des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays et peuples frères, ainsi que le rôle central des deux pays comme pilier fondamental de la stabilité dans la région, surtout à la lumière des défis graves et croissants qui nécessitent une coopération continue
et intensifiée entre les deux pays. Dans ce contexte, la réunion a été l'occasion de confirmer l'importance de la coopération conjointe et de la coordination intensive entre l'Égypte et l'Arabie saoudite face aux défis de sécurité communs et aux risques créés par les circonstances de la région, en particulier dans le domaine de la lutte contre les terroristes, ainsi que la criminalité transnationale organisée, outre l'escalade de la cybercriminalité qui représente un défi majeur nécessitant des efforts intégrés pour réduire ces risques qui ont commencé à prendre des formes nouvelles, ce qui nécessite un développement continu et une formation conjointe pour suivre le rythme de ce changement et pour renforcer les efforts pour maintenir la sécurité et la stabilité. Le ministre de l'Intérieur Mahmoud Taoufik a reçu son homologue saoudien, le prince Abdelaziz bin Saoud bin Naïf bin Abdelaziz, qui effectue une visite officielle en Égypte à la tête d'une délégation sécuritaire de haut niveau. Les deux ministres ont discuté des cadres du renforcement des liens de coopération entre les deux pays en matière de sécurité et ont passé en revue les dossiers d'intérêt commun. Le Premier ministre Mustapha Madbouly a inauguré ce matin le siège de l'université de Badia à la nouvelle ville du 6 octobre en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, Dr Ayman Achour, et plusieurs hauts responsables et hommes d'affaires. Cette université est fondée en collaboration entre la compagnie de Pamils, pionnière dans le domaine de la promotion immobilière, et la compagnie Taalim pour les services de l'administration, et qui s'avère également une entreprise géante œuvrant dans le domaine de l'enseignement supérieur en Égypte. La ville de Badia s'avère la première ville durable en Égypte et la première ville intelligente dans l'ouest du Caire. Et on accueille en fait 8 facultés pratiques et théoriques et pouvant accueillir jusqu'à 12 500 étudiants. Le début des cours est prévu justement dans l'université en septembre courant, dans 5 facultés, dont la médecine, la faculté de médecine dentaire, la physiothérapie, l'administration et l'économie appliquée, ainsi que la faculté de l'information et des sciences de l'information. Le ministre des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés, Badr Abdelrati, a rencontré le président émirati Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Abdelrati a retransmis les salutations du président de Fatah al-Sisi à son homologue émirati tout en soulignant l'appréciation de l'Égypte des délibérations continues entre les deux pays frères. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé les points de vue quant au développement survenu dans la région et qui témoigne une reconnaissance inédite ainsi que les moyens d'aboutir à une accalmie et éviter davantage de tensions. L'entretien s'est focalisé sur d'autres dossiers très importants dont les évolutions de la situation dans la bande de Gaza, la crise soudanaise, la sécurité dans la mer Rouge ainsi que la situation en Libye et en Somalie. Les deux parties se sont accordées à maintenir les consultations dans tous les dossiers d'intérêt commun. Eh bien, toujours dans le cadre de sa visite aux Émirats arabes unis, le ministre des Affaires étrangères et des Migrations et des expatriés égyptiens, Badr Abdelrati, a exprimé, ou plutôt a examiné avec le ministre émirati de l'Industrie et de la Technologie, Dr Sultan Al-Jaber, les développements des relations profondes qui relient les deux pays et les moyens de les renforcer. Abdelrati a discuté avec le ministre émirati d'un grand nombre de projets et de dossiers d'investissement émirati en Égypte dans les divers secteurs. Les deux côtés ont également examiné la coopération bilatérale dans la lutte contre le phénomène du changement climatique et ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de l'essor des investissements des Émirats arabes unis en Égypte et à leurs efforts pour les augmenter. Le vice-premier ministre du développement industriel, le ministre de l'Industrie et du Transport, l'ingénieur Kamel El-Ouazi, a entamé hier une visite en Irak pour examiner le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des transports
et de l'industrie, Kamel El Wazir, examine également la participation des entreprises égyptiennes spécialisées dans les travaux de l'infrastructure, des routes et des ponts et des projets de développement dans les divers projets en Irak, citant que le ministre de l'Industrie et des Transports doit rencontrer un certain nombre de ministres et de responsables irakiens lors de sa visite. Le Conseil de la Ligue arabe a condamné aujourd'hui les crimes génocidaires commis par Israël contre le peuple palestinien à Gaza depuis plus de 11 mois, faisant plus de 145 000 martyrs blessés et disparus. Le Conseil a affirmé que le déplacement forcé du peuple palestinien hors ou en dehors de son territoire constitue une agression contre la sécurité nationale arabe et ne fait que démanteler tous les efforts visant à restaurer la paix et la stabilité dans la région. Les délégués permanents ont conclu que la déportation des Palestiniens embrase la situation dans la région. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmation nationale et internationale.